Donc, ça va être intéressant pour ceux qui veulent corriger donc les erreurs. Euh, oui, donc c'est lisible le Oui. Donc, euh, je vais juste essayer d'augmenter de, de un peu le size, euh, le font, on a size à le font, le size le

C'est très bien. Donc, le chemin d'accès et euh, Sur le la commande de ça Tu me montres la commande. Uh, move, oui. Je uh, tu monsieur. Ay, mais c'est... Essaye de me montrer la commande. Ay, bah, tu peux retourner, donc, vers la commande euh, avec les quatre flèches de direction, les flèches montantes. Oh, voilà. Spring, MVN, Spring, voodoo.run, c'est Donc, mm. le problème, c'est quoi Il te dit que MVN, je crois, n'est pas reconnu. Ay, es... ay, c'est ça. Il Maven, il ne connaît pas le Maven car tu n'as pas ajouté le Maven à l'environnement. Est-ce que tu as téléchargé le dossier Maven Si si oui. montre-moi où tu as décompressé le Maven, le décompression de Maven. Où tu l'as fait Site. Ahmad Kif. Ecoute Maven, Maven, Donc maintenant on va essayer de trouver ça. Maven, e. m a v m a v non il n'y a pas de e voilà Maven il y a Maven repository donc est-ce qu'il y a de Maven non oui. essaye Essay d'aller au niveau de download de downloads le dossier, le dossier euh, téléchargement oui. essaye d'aller au niveau du dossier téléchargement donc tu peux le trouver donc dans manette tu peux cliquer sur n'importe quel dossier puis téléchargement مانيش <متحدث> نقرا اي, أي معناها امشي للدوسي هذا الاصفر ديموزيل فوالا voilà, سي تري بيان تيلي شارجمون دونك فوالا voilà, تيلي شارجمون نكتب <متحدث> هكا عندك تيلي شارجمون معناها تحت البيرو دونك اغوش في او ال... نيفو دو لاربوريسونس دونك اغوش تي ا اكسي رابيد بيرو اكسيتيرا تيلي شارجمون سي تري بيان دون لا زون دو ريشيرش اسي دو تابي مافين فين اون فوا فوار اسي ديجا دي تيلي شارجي ما ولا لا <متحدث> Ah, voilà, je... voilà, okay. c'est ça le problème. Donc, ici, ma manette dans un navigateur. Aille dans un navigateur. Tu ouvres un mm. navigateur, n'importe quel navigateur, le Chrome ou n'importe quel navigateur. Mm. Ben et euh, tape download, download maven entrée. C'est très bien. Arfou, sajal, Donc, tu tu l'as enregistré quelque part. Ah, oui, tu entres dans ce site-là. Oui, site Et puis tu ailles au niveau du fichier uh, uh, Binary zip. Tu vois le Binary zip, Files. Dans la section Files, il y a. <coughs> voilà, dans <coughs> Files, il y a zip Archive. Le deuxième choix dans cette liste-là. C'est très bien. Tu cliques sur ce lien-là. C'est bon. Je ne crois pas que tu, tu l'as déjà téléchargé auparavant. Donc, ah, essaye oui. de. Oui. Donc, tout de ce -là. Je crois qu'il bizarre. Mais il s'en bat Donc, il tout simplement essaye de décompresser ce fichier-là. Je crois qu'il a terminé le téléchargement. Donc, tu ailles dans à ce, ce euh, dossier et essaye de le décompresser quelque part. Donc, essaye de le décompresser, par exemple, dans mes documents. نعملو اكستراير 2 وي وي اكستراير 2 ماشي سامحني جوست حبيت نقول لك عبير تستنى فيك باش تاخذولها ما معناها كاليتي ديون بو حتى كومنت حتى حد عندي خاطر جوست انا عبير فطناسي اي شي اللي يكون نكتي عبير فطناسي اوكي <تصفي> <تصفي> وي بي Euh, tu tu l'as dit compris ici. Oui. Ben, je vais téléchargement, Ce n'est pas grave. Tu ailles maintenant oui. dans la zone de recherche de Windows en bas. En bas, tape ici pour chercher sur Windows, sur barre de, euh, de tâches. Voilà. Oui. Et oui. essaie d'écrire ENV. ENV. ENV comme environment. E ou N ou V. C'est très bien. Modifie l'environnement système. Système, Le deuxième choix. Essaie de choisir le deuxième choix. non pas le permis. Modifier les variables d'environnement système. Oui, c'est bon. Voilà, variables d'environnement. Tu cliques sur variables d'environnement. Mm. En bas, le dernier bouton. Variables d'environnement. Le dernier bouton en bas. Oui, c'est bon. Bah, bah, retard, sera un peu en retard, voilà. Mais... Mm. Bah, et essaye maintenant, donc, de... Euh, on va aller directement au path, peut-être, c'est mieux. Donc, double-clic sur path. Double-clic sur path. Ça n'a rien de path, monsieur. Path, au niveau de variable système. On, euh, tu as deux zones, variable utilisateur et variable système. Au niveau de variable système, le cinquième choix, je crois, c'est path. Double-clic sur path. Ouais, c'est bon. Ben بالا بل... اه... ايسيدو ريتورني دونك تكليك دون معناها سير ال... شو اسمه هو ال... ال... الفينات هذيك اللي فيها الدوسي دي كومبريسي كنا كونفين دو كومبريسي ايسيدو كليكي على الفينات هذيك اللي فيها التشارجم اكستيرا هاكا اللي راه فيها فيها كلمه اكسترار وداونلود اكستيرا بور بروندر لو باث سي تري بيان بيه دون لابار دريس هاكا وين عندك معناها تشارجم سو بيسي اكستيرا كليكي في اخرها ابري ابش مافين 3.6.8. Ouais. Euh, ça a le couché à ou de cliquer à la page ma 23.8.6 ce que tu as dossier maintenant donc à ou de cliquer à la page ma 20 en bas avec la page ma 23.6.8 double clic entre dans ce dossier là ouais. double clic ouais. pour entrer dans le dossier c'est bon clic et tu as ouvert la barre d'adresse oui contrôle si c'est très bien tu y retournes au niveau de path double clic ou bien nouveau cliquez à la nouveau ou à la double clic nouveau contrôle V poser demain anti slash anti slash Alger tout de suite à la fin alger tout de suite c'est pas slash c'est pas cela c'est si non non c'est anti slash Alger tout de suite bin bin bin

Essaye de lancer l'invite commande et d'écrire MVN, MVN, espace, moins, moins version. C'est très bien. Tu as bien configuré donc, le maven. Tu peux fermer donc, ce CMD là, Sacra CMD. Et tu retournes maintenant donc, à euh, l'intelligence. Tu peux le fermer et tu dois le redémarrer. Tu fermes l'intelligence et tu le redémarres. Eh hein? ah, oui oui tu lances de nouveau l'intelligence essaye maintenant d'aller dans le terminal et d'écrire la commande mvn spring boot de point run Entrez. Est-ce qu'il est en train de compiler? Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de compiler? C'est très bien. Donc, il est en train de compiler. Donc, tu n'as plus ah, de problème. Que... Sauf si tu as commis des erreurs au niveau de la compilation, au niveau de ton programme. Mm. Je crois que tu as commis des erreurs au niveau de ton programme with exit, de monter, de monter un peu en haut pour voir donc quelle l'erreur Dans le terminal, voilà. Essaye de monter encore, essaye de monter encore un peu. c'est très bien. Donc oui, le problème c'est quoi Customer service. Non, non, non. On a trouvé l'erreur. on a trouvé l'erreur. Donc non, non, non. راه توصلني الصورة أم بو اون ريتار، دونك معناها معناها زيد اطلع شوية لفوق، زيد اطلع، زيد، فوالا سي تري بيان، لا، زيد شوية، زيد شوية لفوق لا، جست قولي وين بالضبط خاطر ما عنديش فكرة، معناها زيد اطلع شوية من الأول بالكل، أول ما بديت الايرور أول ما بديت الايرور، بي. سي تري بيان، دونك زيد قبل هذه، زيد لا بالعكس هذا آخر شيء، معناها نقصد فيه من الأول ما بدا يخرج معناها أنه ثمة مشكلة بالافيشاج هذا معناها اساسي معناها اخر حاجه خرجها هو اول حاجه بدا يخرج فيها بعد بي. هذا بعد بي. هذا تيدي سو ان بو تيدي سو ان بو بي. سي تري بيان اونكور لا ما رجعت من الاول بالكل انت تو ولا صوت غوتار اه ب دونك ترجع من ليرور هوني مش عارف لا مش غادي مش غادي يا مها عرفت ان الميساج سير مش هوني نسير فيل تكزيكيوت لا لا مش هذا مش هذا هذا ما يعطيني حد شيء اطلع لفوق شويه قاعد يعطيك في الاكسبسيون وين زيد اطلع لفوق شويه زيد شوي امشي واحده واحده سلولي سي تري بيان يز يز يكفي يكفي ايرور كرييتنج بين كذا كاستمر لا كنت رافاه ارجع <applause> تو اعمل انفيرس اللي كنت تعمل فيه سي بون

C'est bon. très bien, voilà. Tu as un problème, le repository est nul. Apparemment, au niveau du service, tu n'as pas ajouté le auto-wired. Ah, dans le service, customer service. donc customer service. Point Java. Oui. oui. Essaye de descendre un peu en bas. Voilà, double-clic sur customer service Java, en haut. C'est très bien. Voilà, donc auto-wired, tu l'as mis à la chenille, auto wired, Rita, auto -wired euh, Son emplacement n'est pas le bon emplacement, ça doit être haut. Au-dessus de private customer repository, n'est pas au-dessous. wired, ça doit être au niveau de la ligne euh, 13, mais au niveau de la ligne 14. Oh, C'est très bien. Voilà. Mm -hmm. Ce n'est pas la peine de garder ce auto de là. Oh, C'est très bien. Essaye de refaire maintenant le, la compilation. Le, au, au niveau de contrôle, là, tu as fait la même chose. Essaye d'aller au niveau de customer control. Oui, monsieur, que que tu Mais c'est d'aller au niveau de customer control pour vérifier. Voilà, c'est très bien. Voilà, ça c'est bon. Essaye d'aller maintenant donc au niveau du terminal et tu retapes la commande. Tu retapes la commande. Tu peux revenir donc avec les quatre flèches de direction. Voilà, c'est très bien. Oui, okay. En principe, tout est autorisé. bon. autorisé ah, oui, tout est bon. Tu as bien créé les choses. Donc, tu n'as plus de problème. Maintenant, tu peux vérifier au niveau de la base de données. Tu vas trouver que euh, toutes les tables donc, sont déjà créées et tu peux même accéder à la, à, donc, à la page d'authentification. Voilà. Okay. Donc, euh, y a-t-il d'autres questions avant de passer à autre chose? Merci beaucoup. De rien, de rien. Oui. Y a t d'autres questions? Êtes-vous en train de voir mon écran? Oui, monsieur. C'est très bien. Donc, on va poursuivre avec notre application et on va aujourd'hui donc essayer de se focaliser. Euh, donc si les services et les contrôleurs donc on va essayer de faire ça donc dans un premier lieu donc on va par exemple donc voilà euh, donc on va par exemple je crois qu'on a déjà commencé la dernière fois donc un exemple de service euh, lorsqu'on veut lister all donc lister get all voilà donc au niveau de get all donc on peut euh, donc récupérer euh, tous les euh, donc les customers par exemple donc pour cela on a écrit un service, un service donc get all et euh, j'ai déjà parlé la dernière fois donc de log et euh, donc, le log, c'est quoi? C'est l'équivalent de euh, log au niveau de, de base de données, si vous connaissez ça. Donc, par exemple, la base de données, lorsque vous euh, réalisez donc une tâche, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc, une instruction. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va enregistrer ça au niveau d'un fichier log par exemple, si vous avez des problèmes par la suite, donc vous pouvez donc, euh, euh, annuler ce que vous avez fait ou bien donc avec un revoke, etc. Donc, euh, euh, les bases de données travaillent via ce fichier log. Ça serait pareil, donc au niveau d'un API REST, on peut aussi donc utiliser cette notion de log. Donc, le log, en fait, c'est quoi, dans lequel on va sauvegarder l'historique, l'historique de ce qui a été réalisé. Donc euh, sur, sur mon API, Pourquoi on fait ça Si par exemple donc euh, 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 notre application donc euh, se plaint ou bien donc il y a euh, un issue donc au niveau de notre application. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire On va euh, euh, le premier réflexe, c'est de retourner à ce fichier log et ici d'examiner qu que, euh, quelles sont les tâches qui sont déjà réalisées sur euh, donc mon application, ou sur ma base de données, ou là, etc. pour essayer de localiser le problème, quel est le problème que, euh, qui a eu au niveau de. qui a conduit à ce mal-fonctionnement. Donc. Comment on peut donc euh, créer ce log là C'est via quoi Via cette instruction. Tout simplement. Donc, on va créer donc un objet log de type log. Et euh, comment on va le créer le crée via la méthode getLog, dans lequel on va on, on va lui dire qu'on va sauvegarder au niveau de ce log là les informations sur customer service sur customer service point class et euh, donc log Factory, il suffit de les importer de org.appache.commons.logging. Donc voilà, donc, euh, il suffit d'importer. Euh, essayez d'accepter, s'il vous plaît, vos, vos collègues. Hein. Essayez d'accepter vos collègues. Donc vous pouvez le faire. Donc, et euh, voilà, donc ça c'est au niveau de. Euh, pour le fichier low, par exemple ici, qu'est-ce que j'ai fait Tout simplement, donc j'ai ajouté une information que j'ai déjà récupérée tous les, euh, les customers. Et après exécution, donc euh, tout simplement j'ai ajouté aussi au niveau de application.properties, euh, uh, donc cette ligne-là, donc même cette ligne-là, donc on peut ne pas parler de ça pour le moment. Donc j'ai ajouté donc cette ligne logging file .name, Et J'ai créé quoi? Un fichier log qui, euh, qui s'appelle donc application.logs. Application Dans ce fichier là, donc application.logs, je vais sauvegarder l'historique. L'historique, par exemple ici, donc voilà, il m'a sauvegardé tout l'historique que j'ai réalisé donc sur mon... Euh, mon application, par exemple, j'ai fait l'exécution donc plusieurs fois, je vais voir donc, maintenant, le résultat de l'exécution, etc. Donc, et, euh, euh, donc, euh, euh, voilà, la création des tables, etc., etc. Tout ça va être donc sauvegardé au niveau de mon, euh, de mon fichier log et même, lorsqu'on va faire l'exécution, vous allez voir, lorsque je vais ajouter, supprimer, modifier, select all, etc. Je vais voir tout ça au niveau de mon fichier log. C'est clair ou non Oui. Est-ce que ça c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, donc oui, monsieur. tout simplement via le donc on peut donc, euh, euh, sauvegarder l'historique des actions réalisées sur mon application. Ben ça d'une part. Donc euh, euh, d'une autre part donc pour pouvoir euh, manipuler notre application on a déjà créé euh, voilà pour pouvoir exécuter des euh, requêtes on a déjà créé quoi? Les repositories. Et Les repositories. Il hérite de quoi? Il hérite de JPA euh, Repository. En fait, JPA Repository, elle est prédéfinie euh, et euh, donc elle est fournie par Spring Data. Spring Data, vous voyez déjà, on l'a importé à partir de data JPA Repository. Donc cette bibliothèque-là, nous l'avons déjà intégrée au niveau de quoi Au niveau de notre pom.xml, on a déjà intégré donc Spring euh, Data. Donc où est-elle voilà, donc Spring Boot, donc euh, Data GPA, c'est cette bibliothèque-là donc qui contient quoi euh, Qui a défini, donc dans laquelle il y a la définition du GPA repository, donc Java Persistent API. Et euh, via cette euh, interface, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir faire tout ce qui est insert, euh, tout ce qui est euh, select by id select all euh, delete euh, euh, donc euh, update etc toutes les requêtes SQL donc on va pouvoir les réaliser via cette interface là sans avoir besoin euh, de faire recours donc à euh, des requêtes SQL donc on va tout simplement travailler en orienté objet et l'ORM qu'est-ce qu'il va faire derrière il va traduire ce qu'on va écrire en orienté objet en SQL, c'est l'ORM qui va faire ça comme il l'avait déjà fait pour les création des bases de données. Est-ce qu'on a créé des tables? Non, on n'a pas créé de table en fait. Par exemple, euh, pour moi, j'ai changé un peu donc euh, les euh, euh, donc euh, account. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait alter alter table donc sur account, etc. etc. et sur donc toutes les tables. Donc, le circuit là, donc avec le create avec le euh, donc euh, on, a, on a juste des alter et des create pour le moment. Donc si l'ORM ou la drop ou l'etc. Donc si l'ORM qui, qui a généré sur requête là, donc si l'ORM qui a généré les requêtes, par créer create table account, create table bank, etc. Si l'ORM qui a déjà fait ça, et on n'a pas écrit de requête SQL. Tout simplement, nous avons euh, donc défini des, euh, des entités, donc des GPA Entity. Donc GPA Entity, comme nous l'avons fait par exemple pour compte ou bien pour account, etc. via les annotations AeroBask Entity et AeroBask ID. Bien. Revenons donc à notre euh, euh, service. Et qu'est-ce qu'on va faire Donc on a dit donc, pour pouvoir faire les réactions. Euh, exécuter des requêtes, au niveau du GPA repository, il y a quelques méthodes qui m'a par exemple find all, find all. Donc find all, ça c'est l'équivalent de quoi ce find all-là? Donc c'est l'équivalent de... Get, get, uh... C'est très bien, c'est l'équivalent de l'exécution, donc euh, execute, execute Select, étoile. Étoile. From. Par exemple, from une table T et la table T donc où on va euh, euh, la passer, ça va être elle est définie par le repository. Par exemple ici, la table T c'est customer. C'est customer. Donc comment on a dit qu'on on va travailler sur customer. C'est vieille donc uh, XN, GPI repository. Où on a précisé donc premier paramètre customer. Comme deuxième paramètre le type de la clé primaire. Donc ici par exemple ça va être dans ce cas-là si euh, si par exemple on définit ça je vais écrire tout le code ça serait mieux. Donc par exemple customer, customer, repository, repository. Par exemple repo. Voilà, repository. voilà, donc si on définit ça, et il confie donc repository.findall, repository.findall, qu'est-ce qu'il va faire en fait Comme si j'ai écrit, j'ai exécuté la requête select étoile well from quoi From customer, from la table customer. Est-ce que vous voyez les choses ou non know? Oui donc et, euh, euh, par exemple si j'ai besoin de récupérer euh, euh, donc euh, le customer by id par exemple comment je vais faire ça ça, ça va être un repository repository point point find by id Cast, euh, donc find by id je passe en paramètre quoi donc long une valeur de long donc id par exemple 5 l'id 5 donc ici comme si j'ai écrit quoi j'ai écrit une sql donc select it well from customer where id égal à 5. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Know? Si par exemple j'ai quoi? J'ai un customer, un customer par exemple C1 égal à quoi? Égal new customer. Donc je vais créer un customer et par exemple donc je vais euh, introduire donc quelques informations pour ce customer là qui maintenant par exemple donc c point par exemple euh, qu'est-ce que nous avons nous avons par exemple name donc name et on va dire par exemple ahmed et etc etc donc et on va faire la même chose pour tous les autres champs et Voilà donc, j'ai quoi? J'ai donc un, un customer qui est déjà pris et je vais l'ajouter. Comment on va ajouter? C'est tout simplement repository.save. Repository.save. Donc, elle va me euh, euh, sauvegarder. Voilà donc, ça c'est euh, point save. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça c'est l'équivalent de quoi? Comme si j'ai quoi? La requête. Donc, execute the request, insert into customer values, etc. Donc, insert into customer. Donc, et bien sûr, je dois préciser ici, donc voilà le name, euh, virgule, etc., les autres. Et euh, values, quoi Donc, values, par exemple, donc Ahmed et les autres informations. Est-ce que vous voyez les choses ou non oui, monsieur. Voilà, donc ça, si. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, oui. Monsieur, allez, Non, non, ça, c'est pour vous. Ah, Juste un instant. Okay, okay. Ça, c'est pour vous. Je suis en train de vous expliquer les choses. Donc, vous voyez ici, je suis en train d'écrire de des commentaires que j'ai précisé <muches> avec double slash. Donc, ça, c'est tout simplement pour vous expliquer les choses. C'est clair? Oui, ça va. Merci. De rien? Voilà donc ça, ça va être donc execute insert into customer etc values et ainsi de suite et je vais introduire les, les valeurs. Donc et uh, uh, si par exemple on veut uh, supprimer, donc on veut supprimer, ça va être donc repository, repository, point, delete, by, id. Donc ça va être delete by id, execute delete from customer where par exemple id égale à 5. Donc voilà, si on veut faire le update, ça va être le save aussi. Donc le save joue deux rôle. Donc save permet d'insérer si la valeur de l'ID n'existe pas. Et save permet aussi d'ajouter euh, une nouvelle ligne si la valeur d'ID est une nouvelle valeur. Donc, par exemple, donc, euh, si on veut faire l'update de euh, euh, customer dont euh, l'id égal à 1, par exemple, comment on va faire ça Dans un premier temps, donc, on va récupérer la valeur de id, donc ça va être customer id égale à quoi Égal repository point one aussi, il y a aussi find one, ça marche. Hein? Donc find by ID. by id et on passe entre parenthèses, donc la valeur de ID, j'ai dit donc le, euh, euh, le customer dont l'ID est 1, voilà. Donc, et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire On va modifier les informations de ce customer-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Par exemple, on va dire, donc, euh donc ça, c'est pas ID, donc c'est customer, elle va nous donner, donc ça, c'est customer. Find by ID, elle return un customer. Il y a réellement un return, pas un customer, un return optional of customer. Donc, un return optional. Est-ce que vous connaissez l'optional? Oui, je suis en le Optional of customer. Donc, en fait, l'optional, c'est comme une liste. Comme une liste, une collection. Mais tout simplement, une liste, ça peut contenir euh, plusieurs valeurs. L'optional, ça contient une seule case. Une seule case. Soit cette case, elle est occupée Soit qu'elle est vide. Donc, le optional, par exemple, customer, soit que j'ai une valeur retournée si la valeur de ID égale à 1 existe dans ma base. Si le 1 n'existe pas dans ma base, qu'est-ce qu'il va me retourner Une valeur vide. Optional va être quoi Va être empty. Et là, je vais appeler ça res, résultat, result par exemple, ou voilà, res, tout court. Donc, et, euh, comment on va vérifier est-ce qu'il y a un élément, oui ou non Donc, ça va être vieille quoi Par exemple, if res is present. If is, égal, is present, ceci équivalent à dire quoi? Donc que l'id1 appartient à euh, notre base de données, donc ça va être donc euh, le customer the customer the customer with id égal 1 égal 1 is on the database. Donc, voilà. Euh, euh, sinon, comment on va dire donc que ça n'existe pas? Donc, ça va être if quoi? If res one Is empty. Donc, is empty dans ce cas-là. Alors, the customer with ID égale à 1 is not, not on the database. C'est clair ou non? Know? Monsieur, are the... The tolerance... Alors, je suis de créer. Uh, well, oui, en train d'écrire. Vous n'êtes pas en train de voir mon écran Il est statique, l'écran. Vous voyez l'écran statique ou bien vous êtes en train de. La dernière chose que j'ai écrite ici, ifraise.is empty. Est-ce que vous voyez cette ligne-là ou non Oui, monsieur. Qui a un problème dans l... okay. oui. le. Ah, il doit dire aller, monsieur. Non, je ne tout simplement Il y a un problème de connexion. Oui, c'est le prochain problème de connexion. Ok. Ben, if raise point is empty, the customer with ID equal à 1 is not do, uh, 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 on the database. Donc, euh, comment on va euh, vérifier par exemple ici donc si euh, comment on va récupérer récupérer à partir de reste le customer, si s'il existe s'il si existe donc on va on doit tout d'abord tester s'il si existe s'il si existe donc on va récupérer la valeur donc ça va être if acceptez votre collègue hein, if euh, euh, reste donc euh, if point is a present donc cela veut dire donc que mon euh, employé donc euh, existe mon, mon customer existe dans la base dans ce cas là qu'est-ce qu'on va faire si on veut récupérer donc le customer donc on va là, par exemple l'appeler customer égal à quoi égal donc ça va être tout simplement res.get via get au, au niveau d'une liste comment on récupère si get et on passe l'index l'indice et si on n'a pas d'indice pourquoi car donc Optional, soit qu'elle contient une seule valeur, soit qu'elle est vide. Pourquoi on passe un indice Puisque nous sommes sûrs et certains qu'elle contient uniquement une seule valeur. Donc, c'est tout simplement point .get. Est-ce que vous voyez les choses ou non know Oui. C'est très bien. Après ça, donc voilà, j'ai quoi euh, J'ai donc mon, euh, mon customer. Donc, et je vais mettre à jour donc, ce customer-là. Donc, ça va être donc update the customer. Update the customer information. Voilà, donc comment on va mettre à jour donc, le customer Ça va être tout simplement vieil customer point, par exemple, donc customer point set, method name. Et on va donc passer, donc comme nom, on va dire, en fait, c'est pas Ahmed, donc c'est Ahmed Amin, donc ça va être Ahmed Amin. Voilà, donc, et on va mettre à jour donc les champs euh, donc, à modifier. Voilà, je peux modifier 1, 2, 3, 4 champs, etc. Et après avoir donc modifié les différents champs, comment on va faire? Tout simplement, on va faire repository.save. Une autre fois, save. Et euh, euh, qu'est-ce qu'on va sauvegarder? On va sauvegarder donc notre customer. Customer, j'ai dit appelé, donc customer. Voilà, donc ce cas-là, qu'est-ce que euh, ceci est équivalent à faire quoi

Voilà donc et ainsi de suite donc pour les autres where where et je vais écrire donc where quoi where euh, donc where la valeur de id si le premier id que j'ai récupéré les où l'id égale à 1 where id égale à 1 dans ce cas là donc il va faire il va faire quoi il va faire le mise à jour donc le save joue double bon rôle si la valeur de id existe déjà dans la base ça va être un update

Et voilà brièvement j'ai expliqué ce qu'on appelle le crude donc create, read, update, delete et via le crude on peut créer n'importe quelle euh, requête donc dans le reste ça va être quoi le reste ça va être de la programmation Java donc c'est la, voilà, la programmation maintenant le principe dans, dans les autres euh, euh, langages il n'est pas loin de ça si on va utiliser donc un ORM par exemple je peux vous donner donc l'équivalent de ça donc en euh, Django en Django par exemple au lieu de find all ça va être tout simplement Uh, uh, par exemple customers.objects.all Uh, donc, au lieu de find by ID, ça va être customers.object.filter. Uh, uh, donc, tel que mettre pk le premier qui est égal à 5. Etc., etc. Donc, juste, ça va être la syntaxe qui va différer. Sinon, grosso modo, ça va être pareil. Donc, pour faire, par exemple, le, le sauvegarde, ça va être kiff kiff. Maintenant, au niveau de Django, c'est un point save » pour faire euh, le sauvegarde. Et ainsi de suite. Donc, maintenant, juste, c'est la syntaxe qui va différer. Maintenant, un bad. Le code, vous n'êtes pas censé, dans ce module-là, nous ne sommes pas censés décrire le code, c'est plutôt de sécuriser le code, mais ça, c'est ni qu'un pont donc, euh, par lequel on doit passer donc, euh, pour arriver à, à sécuriser donc, le code, notre, notre, propre code hein, notre propre code. On n'a pas pris un code qui est déjà pris. Est-ce que vous y êtes? Oui. Voilà, donc, Iden, maintenant, euh, ici. Lorsque je fais donc point find all, j'ai appelé quoi? Donc le find all que je viens d'expliquer pour récupérer donc tous les euh, 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 donc tous les customers. Mais si on veut mieux faire, mieux faire, donc ça c'est une version. Si on veut mieux faire, donc si on veut exécuter une version euh, donc meilleure à ça, donc qu'est-ce qu'on peut faire? contre contrôle.

On n'a pas marché, mais c'est pas grave. CTRL Z. CTRL Z. Mais je mange clé. Donc, je vais commencer. Voilà, donc ça, c'est une version. Donc, on veut euh, créer une autre euh, version. Mieux que ça, donc cette version-là, ça va être quoi Donc on ne va pas retourner directement une liste. Car dans ce cas-là, par exemple, si on veut faire get all, est-ce qu'on a toujours des customers Est-ce qu'on a toujours des customers Il, Il se pense. peut que notre base, elle est comment Elle est vide. Lorsque notre base, elle est vide, la dernière fois, si vous vous rappelez de ça, lorsque j'ai exécuté, j'ai obtenu quoi Un tableau JSON vide. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut retourner un message pour dire il n'y a pas eu un problème, en fait. Il y a eu quoi? On n'a pas d'information au, euh, au niveau de notre base. Euh, et on va retourner ce qu'on appelle le euh, HTTP codes, ou bien donc, ce qu'on appelle HTTP verbs. Donc, ce sont quoi ces HTTP verbs ou HTTP codes? Donc, ce sont des codes qui vont donner l'information. Euh, sur l'état de la requête, l'état du serveur, euh, donc l'état de l'exécution de la requête. Maintenant, en, en exécutant la requête, qu'est-ce que c'est produit derrière Donc, par exemple, donc, euh, parmi ces codes-là, on peut trouver quoi Le code 200, par exemple, 200 qui, euh, qui va me dire. Tout est bien exécuté. Par exemple, la requête SELECT, elle est bien exécutée. 201. Si je vois 201, maintenant l'insertion a été effectuée avec succès, etc., etc. Donc, il y a. Si par exemple je vois le 404, en principe tout le, tout le monde donc connaît ce 404. Not found. Not found. Qu'est-ce que ça veut dire Donc cette page, voilà, la page que vous demandez n'existe pas. Et j'ai déjà dit, donc si vous vous rappelez en classe que le fait de retourner de messages et d'afficher de messages pour n'importe quelle situation donc ça ça augmente la sécurité ça augmente la sécurité le fait d'afficher le bon message pour chaque action voilà, pour chaque euh, euh, donc instruction exécutée sur mon code ben donc euh, euh, comment on peut faire ça c'est si via une euh, une classe qui s'appelle quoi? Response Entity. Au lieu de retourner, donc tout simplement, list customer as response, on va retourner quoi? Une entity réponse Une entity réponse qu'est-ce qu'une entity réponse Elle contient un body et un header. Donc elle contient donc une entête et un corps. Dans l'entête, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver donc les informations que je viens de dire, donc par exemple le code. Euh, euh, donc euh, le code d'erreur par exemple le statut donc euh, on peut trouver donc maintenant donc dans la requête on peut trouver le content le content type etc etc tout ça donc on peut retourner donc « response euh, entity ». Donc, Eden, qu'est-ce que je vais faire En fait, je vais euh, euh, écrire le code et s'il y a des questions, je vais essayer de lui poser. Donc, au lieu de retourner « list of », on va retourner quoi ?« response entity of »« of » quoi Qu'est-ce qu'on va retourner en principe Qu'est-ce qu'on va retourner En principe, qu'est-ce qu'on veut retourner Une liste of customers. Les ceux qui ont ce bruit, de couper votre. Voilà. Donc, une liste of customers. En principe, on doit retourner une liste of customers. Voilà. Donc, ça va être response entity of list of customers. Qu'est-ce que ça veut dire? Le body, le body donc la donnée elle-même qu'on veut retourner, c'est quoi? Ça va être une liste. Yep, yep. Voilà, donc ça va être donc euh, euh, par exemple donc get all et au niveau de ce get all là, donc qu'est-ce qu'on veut retourner On veut tout simplement donc retourner selon le cas donc selon le cas donc on veut retourner soit qu'il n'y a pas de d'informations ou bien donc euh, on veut retourner l'information elle-même. Comment on va savoir ça Ça va être donc euh, list of list of customers et ça va être donc res ou voilà, la lst voilà. donc on va l'appeler par exemple lst customers. customers voilà donc ça va être repositories point find all donc et euh, tout dépend de quoi est-ce que cette liste elle est empty yes or no if lst customers point is empty dans ce cas-là en fait je n'ai pas de résultats à retourner donc on peut tout simplement donc retourner response entity euh, point euh, donc ça va être donc point euh, non content ici donc voilà donc ça va être point non content response entity point non content c'est clair you non know? donc qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de contenu Ici, le problème c'est quoi? Qu'il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas eu réellement un problème, mais le problème c'est quoi? Ce qu'il n'y a pas eu un contenu. C'est clair ou non? La base, elle est vide. Oui. Sinon, on va retourner quoi? On va retourner donc Response Entity, donc point OK. Et donc OK, on va retourner quoi? Donc la liste of customers. OK, c'est l'équivalent de quoi? Donc c'est l'équivalent. De, euh, de son OK. Donc, il va retourner le code comme code de son. Tout est bon. Et il va me retourner quoi? La liste of customers. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Qui oui. n'a pas compris ce code-là? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. C'est Très bien. bien, donc on va essayer d'aller donc un peu euh, donc euh, un peu vite puisque donc ça c'est clair. Donc par exemple, si on veut, on va faire un le par exemple, l'ajout, la suppression et euh, la modification. Donc on va essayer de faire ça pour Tessie, tout simplement et puis on passe à la sécurité. Donc ça va être donc euh, ça c'est pour customer, mais un travail à rendre essayer de faire les mêmes chose pour les autres. Hein. On va essayer de travailler sur Customer. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire ici, de faire les mêmes choses pour les autres? On a Account. Qu'est-ce que nous avons donc dans notre euh, projet, en fait? Nous avons donc « Account et où est où est les entités. Donc, voilà. Account, Bank et euh, Transaction. Donc, ici, de faire les mêmes choses. Et peut-être qu'on va ajouter des autres euh, services, par exemple, comme si on veut euh, euh, donc euh, retirer ou etc. Maintenant, mon, mon, mon account. Donc, si on veut donc euh, verser l'argent ou la retirer donc argent ou etc. Donc, tout ça, donc on peut par la suite, donc, le faire euh, ensemble. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, avec Customer, essayer de le faire, euh, euh, donc, de répéter la même chose pour les autres entités pour euh, s'entraîner, donc, un peu. Retournons, donc, à notre Customer, donc, Service. Et qu'est-ce qu'on va faire si on veut récupérer, euh, par exemple, donc, un Customer by ID? Comment on va faire ça? Donc, ça va être tout simplement, donc, « Public ». Et on va retourner quoi? Response entity of, en principe, of customer. Et ça va être tout simplement, donc, get customer, Customer. Et on va passer en paramètre quoi? By ID. Donc, on va passer long, la valeur de long ID. Voilà, donc ça va être long ID. Et euh, tout simplement, donc, ça va être... B. Ici, si, en principe, comment on va récupérer On a déjà une méthode qui est déjà prête, qui est find by ID. Donc, on peut tout simplement, donc, comme euh, je viens de l'expliquer dans un instant, optional of customer et euh, ça va être raise égale « repository find by ID et je passe en paramètre quoi la valeur de euh, de l'ID. Il se peut que ce customer là existe dans ma base, comme il peut ne pas exister. Dans ce cas-là, je vais tester if res is empty par exemple is empty. Dans ce cas-là, il n'existe pas. Bah alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais retourner quoi Un message que euh, euh, mon customer n'existe pas. Donc, comment on peut faire ça Donc, ça va être euh, return response entity response 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 entity point point header. Uh, point header point body donc ça va être point body point body et au niveau de body donc qu'est-ce qu'on va retourner on va retourner un message, par exemple, ici, pour dire le customer n'existe pas. Donc, ça va être the customer, customer with ID égale la valeur de ID is not

Voilà, donc, point status. Et au niveau du statut, ça va être quoi? HTTP status. Dans ce cas-là, donc, ça va être quoi? Euh, HTTP status. Point. Donc, euh, le problème, c'est quoi? Il n'existe pas. Donc, ça va être en principe not found. Voilà, not found. Voilà, donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai retourné? En fait, j'ai retourné quoi? Euh, HTTP status not found. Donc on n'a pas trouvé donc euh, 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 le customer qu'on cherche et j'ai expliqué donc via un message pour dire voilà donc euh, ce customer euh, n'existe pas dans euh, ma base donc justement je le ah oui donc à la type de retour donc ici donc bien, il est en donc ici à la type de retour donc il me dit donc que response entity dans ce cas là on n'a pas retourné un customer donc comment on peut retourner en Java pour ceux qui connaissent Java un type quelconque dans, dans, dans le premier cas, nous avons un type. Est-ce que ça, c'est un customer Ce que nous avons retourné ici. Est-ce que dans le bas, on a retourné un customer être... On a retourné quoi Une chaîne de caractère dans le bas. Une chaîne. Et quoi Le customer with KDN n'est pas available. Donc, et dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on va retourner Dans le deuxième cas, Donc, on va retourner. Le customer, donc qui est quoi Vieille le get. Donc on va écrire ce message-là. Donc ça va être return response entity. OK. Et ça va être res.get tout simplement pour récupérer le customer. Pourquoi on a eu le problème ici Car le type de retour est chaîne de caractère, il n'est pas euh, un customer. Par contre, dans ce cas-là, donc le type de retour, il est quoi Il est pour le get, donc ça me retourne quoi Ça me retourne un customer. Donc, euh, euh, comment je peux remédier à ça Tout simplement, je vais lui dire response entity of un type quelconque avec un point... D'interrogation pour dire un type quelconque. Dans le premier cas, c'est une chaîne de caractère. Dans le deuxième cas, c'est quoi C'est un Customer. Est-ce que vous voyez les choses ou non know? Oui, monsieur. Oui. Voilà, donc ça, c'est pour Get Customer by, by ID. Est-ce que vous êtes en train de créer le code avec moi à fur et à mesure ou vous êtes en train tout simplement de me suivre Monsieur Tabofik, on va de l'expo. Mouche. Ok, ce n'est OK, c'est pas grave. Bien. Donc et euh, de préférence, euh, vous écrivez les codes à fur et à mesure, donc pour gagner un peu de temps. Si euh, vous trouvez que. La méthode que vous êtes en train de suivre, donc est euh, une bonne méthode, donc pour vous, donc c'est pas grave, donc essayez de travailler quand vous voulez. Bien. Donc et euh, on va euh, passer par exemple à l'ajout, l'ajout. Donc si on veut ajouter donc un customer, donc ça va être, on va retourner response entity of quoi On peut retourner donc le customer qu'on a ajouté, les informations de customer pour vérifier. Donc et ça va être tout simplement donc add customer, add customer. Et on passe en paramètre quoi Un customer. Comment on va ajouter donc, un customer? On a dit donc, en principe, c'est très simple. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire si euh, via, euh, un, un point save, via un point save, ça va résoudre le problème. Mais il se peut par exemple que ce customer qu'on veut ajouter est déjà dans la base. Par exemple, donc, euh, un customer de même nom, de même mail, de même, etc. Donc il est déjà dans la base. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui. Voilà, oui. pour rappeler la dernière fois, on a dit donc que deux customers sont identiques. S'ils ont quoi Le même signe. Si par exemple, il me donne un casse-mort de même signe, qu'est-ce que je vais faire Je vais lui dire que ce customer mort euh, dont le signe est tel existe déjà. existe déjà, donc je ne peux pas l'ajouter. Donc comment on va faire ça Tout simplement, donc on va ici de chercher le customer mort par son signe. Chercher le casse par son signe. Il y a plusieurs méthodes. A la méthode la plus simple, c'est d'utiliser l'equals, puisqu'on a redéfini equals. On a equals, ça, c'est la méthode la plus simple. Donc, tout simplement, dans ce cas-là, il suffit de faire quoi Il suffit d'utiliser euh, euh, « equals », par exemple, « equals in your case ». On n'a pas de, de caractère au niveau du signe. Maintenant, on peut tout simplement utiliser « equals » puisqu'elle est formée en sa totalité par des, euh, euh, des chiffres. Donc, then, tout simplement, donc, on va essayer de dire que euh, donc, euh, le signe, euh, mané, mané, si, si ça existe déjà un, 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 un customer avec le même on ne va pas accepter l'ajout. Donc, dans ce cas-là, comment on va faire Tout d'abord, on va essayer de voir est-ce que euh, mané, ce customer-là, y a-t-il un autre Comment on va tester Donc, ça va être if quoi If repository. Euh, voilà, donc repository. Je vais Uh... beh il customer ha no non no dopo Donc, non, non je ne peux pas utiliser. equals parce que je n'ai pas le deux casse je ne connais pas le casse où ça existe. Maintenant, je, je vais chercher par, euh, par ID. Donc, pour chercher par ID, donc, comment je vais faire, ça va être je vais utiliser ce qu'on appelle les API Streams. Donc, les API Streams. Maintenant, ce n'est pas très difficile. Vous allez voir, donc, ce n'est pas très, euh, euh, très, très difficile. Donc, ça va être, donc, euh, on va dire que je vais retourner une liste of. List of customers. Et repository point find all. Et au niveau de ce find all, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire donc point, point stream. Voilà, je vais écrire en haut, ça c'est mieux. Point stream. Qu'est-ce que ce point stream Ce point stream, tout simplement, permet de convertir d'une liste vers le stream. Le stream, ça, c'est ce qu'on appelle la programmation fonctionnelle. Un stream, tout simplement, ça va être un flux vers les données et ça va, être, ça va simplifier euh, معnaux, euh, les tâches pour euh, euh, donc, euh, معnaux, réaliser des, des, des instructions ou bien réaliser une tâche sur euh, معnaux, une base de données. Ça va être très très simple. Par exemple, si on a besoin de chercher, ça va être filter pour un filtre. On va réaliser un filtre. Un filtre by quoi, احنا, on va faire. Un filtre by quoi. Donc, on veut chercher by, « by scene ».« By scene », est-ce que ça existe un customer ayant le même scene ou non Donc, comment on va faire ça Ça va être un customer C tel que, ça, c'est ce qu'on appelle les lambda expressions, un customer C tel que sin équivalent à quoi À customer.getScene. S'il y a un customer avec le même scene, il va me le retourner. Euh, donc, sinon, il va me retourner quoi Il va me retourner le, le vide. Et on va euh, euh, collecter, donc, ou bien récupérer euh, les customers sous forme de quoi Sous forme de, euh, de liste. Donc, ça va être collect collectors.toList. Donc, c'est très simple, quoi, tout simplement. Donc, ici, on a converti en quoi Donc, ça, c'est conversion. Convert. From. List to stream. Voilà. Et le stream, donc au niveau de stream, j'ai quoi Le filtre. Le filtre, qu'est-ce qu'il va faire Comme son nom l'indique, il va réaliser un filtre. Il va tout simplement me retourner quoi Les éléments du stream, vérifions cette condition-là. Celle-ci, c'est une condition. Qu'est-ce que cette condition Si, si n'importe quel customer de stream, maintenant, comme si euh, entre parenthèses, hein. donc c'est un compteur qui va parcourir quoi? L'ensemble des customers qui sont dans le stream. Et pour chacun, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier, est-ce que ce customer euh, vérifie cette condition, oui ou non? S'il vérifie cette condition, il va le retourner. Sinon, il ne retourne rien. Ça, c'est l'équivalent d'une fonction anonyme, si vous voulez. Donc, si get customer.getscene. Si, je trouve... Un customer dans, ce, dans le stream ayant le même signe que le customer que j'ai déjà passé en paramètre. Donc dans ce cas-là, je vais le retourner. Donc, et comment on va tester On va tester. Est-ce que cette liste elle est vide Oui ou non Si la liste elle est vide, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire On va dire que maintenant euh, euh, le customer n'existe pas et on va accepter l'ajout. Si la liste n'est pas vide, ah, il existe déjà un customer ayant le même signe. Est-ce que vous y êtes oui monsieur juste le collect je ne sais pas le but collect elle va maintenant en principe filter qu'est-ce qu'elle va faire maintenant filter elle retourne plusieurs valeurs notre exemple un par exemple je vais la prendre je vais prendre un petit exemple donc si par exemple je vais prendre je vais créer une liste de quelques entiers de quelques donc ça va être donc stream stream one of donc si on va créer un stream of plusieurs valeurs, donc on peut mettre ça, mettre un 11, 14, 3, 8, 6, par exemple 15, par exemple. Donc j'ai créé quoi Un stream formé par ces éléments-là. C'est l'équivalent d'une liste, en quelque sorte. Mais tout simplement, avec le stream, je peux appliquer ces filtres, euh, reduce, euh, max, je peux déterminer le max, count, etc. Donc, ça va faciliter beaucoup donc, euh, la tâche. Mais, donc, et au niveau de stream.off, ces éléments-là, euh, j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin, par exemple, de récupérer uniquement les anti-pairs de cette liste-là. Comment je vais faire? Ça va être point un filter. Je vais appliquer un filtre et je vais dire à partir des éléments X qui sont où dans cette liste, je vais prendre uniquement les éléments qui sont comment? X qui est modulo 2 égal égal 0. Dans ce cas-là, je vais prendre uniquement les paires. Donc, le filtre, qu'est-ce qu'elle va me retourner? Elle va me retourner exactement quoi? Les éléments in stream contenant les éléments 4, 8 et 6. Est-ce que vous y êtes? Oui, oui. Returns, stream, containers. donk, onnedie, uh, Eight. Voor eight and Voilà donc ça, ce sont les éléments contenus donc après l'application du filtre. On peut appliquer plusieurs filtres même. On peut appliquer plusieurs filtres. Par exemple, on va dire, on va appliquer un autre filtre et on va prendre uniquement les éléments qui sont euh, supérieurs ou égaux, par exemple à 8, supérieurs strictement à 8. Donc comment on, va, on peut faire ça Donc filtre tel que, par exemple, un x tel que le x elle est comment X est supérieur Uh, strictement à 8 ou à strictement à uh, 8 par exemple dans ce cas là il va me retourner quoi return stream ayant quoi les éléments 4 et 6 c'est clair ou non know? on oui. peut appliquer plusieurs filtres maintenant je ne peux appliquer le filtre autant de fois donc il 4 et 6 est-ce que vous y êtes bé? et uh, uh, par uh, oui si on veut retourner ces éléments-là, comment on peut retourner ces éléments-là Ça va être tout simplement point collect. collecte, le collect, donc ça va, me <t> uh, 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 rendre ces éléments-là. C'est l'inverse. On from list to liste. Par exemple, à la fin, on veut retourner une liste. Comment on peut faire si on veut retourner une liste Ça va être collect, collectros, et j'ai quoi Tout liste. Ça, si je vais convertir en liste. Si par exemple, je vais convertir en map, ça va être tout map. Vous voyez les choses, non Si vous, euh, je vais convertir en set ça va être tout 7, un ensemble, etc. etc. Est-ce que vous y êtes Oui. Et then, donc, collecteurs, elle va convertir deux streams. Bah, non, non, c'est l'inverse. Par exemple, ici, si convert, puisque le résultat de filtre, c'est un stream. Convert from. Stream, de quoi From stream To list. C'est très bien, to list. Est-ce que vous voyez les choses bien To list. Ici, si, par exemple, on convertit from stream, de quoi To set. Est-ce que vous y êtes Oui. Supposons, par oui. exemple, oui. que je, euh, je veux récupérer quoi Ce n'est pas, euh, pas 4 et 6, les entiers, par exemple, pères qui sont inférieurs à 8. Les entiers pères qui sont inférieurs à 8, et je vais récupérer quoi Les triples des entiers pairs qui sont inférieurs à 8. Les triples. Comment on peut faire ça On peut faire avec un map dans ce cas-là. Map. Et on va dire, donc, chaque x, on va le remplacer par quoi Map, c'est l'équivalent de remplacer. Donc, remplacer un x par quoi Par 3 fois x. 3. J'ai dit les triples, donc ça va être 3 fois x. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire Il va me retourner quoi Il va me retourner « returns ». Et stream, contain, combien? Donc, puisque vous êtes 3, donc ça va être 12 and 18. Est-ce que vous y êtes? Oui. Voilà, donc, Heather, par exemple, si, exemple, of, example of stream, of stream, use, euh, voilà, donc, et dans cet exercice, on a un peu donc tout simplement, euh, return, returns, return, return, set, set, containing, containing, euh, the of.

Est-ce que vous voyez les choses ou non Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'utilisation donc de, de stream. Maintenant le code il est très lisible, hein il est très lisible même pour ceux euh, qui ne connaissent pas les streams. Donc c'est lisible. Filter, on va réaliser un filtre et collect, on va collecter ce que nous avons euh, obtenu comme résultat sous forme de liste, sous forme de set, sous forme de map, etc. Est-ce que vous y êtes Oui. Voilà donc oui. ça c'est voilà, if LSC Customers is comment, is empty, tout est bon. On va dire if not empty. S'il si, si, euh, si n'est pas empty, qu'est-ce qu'on va faire? Not. Voilà, donc... If not, voilà, if not empty, dans ce cas-là... Euh, donc, euh, le, le, le customer existe déjà. Le customer existe. donc existe déjà. Dans ce cas-là, on va retourner quoi On va retourner un message qu'on ne peut pas ajouter. Donc, ça va être donc return return HTTP status. Donc, ça va être HTTP status. Par exemple, on va dire donc ici euh, comment on va dire bad request. Par exemple, on va dire Maintenant, donc, bad request, voilà, bad request, et on va afficher comme message, body, et on va dire, donc, que le uh, customer, uh, customer, customer, with same scene value already exists. C'est clair ou non know? Oui. Et de même, donc, on a eu le même problème, donc on doit modifier ici au niveau de Customer et on va euh, remplacer le Customer par un point euh, d'interrogation. Sinon, donc, pour les autres cas, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va retourner, return, response entity, response entity point. Created voilà point created et en principe je crois que je vais pas pouvoir euh, retourner ici donc le customer qui est quoi donc ça va être lst euh... ah, on va on va sauvegarder tout d'abord lst customer oui Tout simplement ça va être créé et tout d'abord avant de retourner donc il est créé on doit moi je vais utiliser l'autre format donc ça va être donc point euh, status et on va dire donc http ou okay, eh, create http status point created voilà ça a été créé et point au niveau de body on va retourner quoi au niveau de body on va retourner l'objet qui est quoi le résultat de save donc puisque save elle retourne l'objet donc ça va être donc repository repository point save voilà on va sauvegarder tout simplement donc le customer qu'on a passé en paramètre customer est-ce que vous voyez les choses ou non soit qu'on ajoute soit qu'on va retourner donc un message pour dire donc voilà ce customer existe déjà est-ce que vous y êtes oui c'est très bien oui monsieur et on va euh, peut-être donc terminer par delete. Donc euh, peut-être on va terminer. Il nous reste combien de temps Donc voilà. Euh, oui. donc ça va être donc public. Public. Donc euh, response maintenant remove customer. Voilà. Remove customer. On va passer en paramètre quoi l'ID de customer pour le supprimer. Donc ça va être long. ID. Et comment on va supprimer donc ce customer là Ça va être tout simplement donc euh, on va vérifier est-ce qu'il existe ou elle n'existe pas. On a déjà fait ça. Donc si comme celle-ci, Ctrl C et ça va être Ctrl V et tout simplement donc oui c'est le remove. J'ai mis Ctrl D, Ctrl C. Voilà donc si le customer euh, euh, n'existe pas, on va dire donc is not available. Donc ça on l'a déjà fait. Sinon donc qu'est-ce qu'on va faire pour supprimer? On a dit donc c'est très simple. Comment on supprime? C'est via repository. Point by id. Donc ça va être delete by id. Et on passe en paramètre quoi? La valeur d'id qu'on vient de passer entre euh, parenthèses, donc euh, à, à la fonction et on va retourner quoi Return, voilà, repository.ok, okay. mais ça pas donc voilà, pour dire, voilà, tout IT, euh, a été bien effectué. Je oui. mais je vais le body donc on a donc ça va être response entity point http point http status HTTP, euh, point status tout simplement point status point http status et on va dire ok c'est bon tout a été bien réalisé et point dans le body on va dire donc euh, the euh, customer with id égale plus la value de id was deleted It has been deleted was successfully deleted successfully delete Voilà, donc ça va être tout simplement, qu'est-ce qu'il y a dans ce sexe sur les délit. Voilà, c'était bien, donc dans ce cas-là, euh, on a terminé donc, la, la suppression. Est-ce que vous y êtes? Mmh, oui. Voilà, donc on va peut-être donc euh, se contenter de ça, donc euh, juste euh, select all, get by ID et euh, l'ajout et la suppression. Et on va essayer d'écrire donc les euh, contrôleurs. Donc euh, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons écrit Nous avons tout simplement écrit les services. Mais n'oubliez pas qu'on doit faire l'interfaçage avec des clients. Vieille quoi? Vieille donc le web, vieille donc euh, le réseau. Donc, et euh, pour cela, donc, nous avons déjà euh, créé donc les classes, donc, par exemple, customer, customer Control Donc, au niveau de Customer Control on a déjà fait la dernière fois. Un, euh, réaliser un petit exemple qui est quoi le get all le get all et on a dit donc pour pouvoir donc appeler les euh, 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 nos services donc à l'extérieur qu'est-ce que nous devons faire nous devons donner des paths des URL, des url donc pour pouvoir manipuler nos services donc pour le all customer on a modifié notre euh, euh, donc méthode get all et on a dit qu'on va retourner quoi un response entity un response entity of, euh, je crois, on a mis of un point d'interrogation, voilà, je nous avons fait ça, voilà. Donc, un response entity all, euh, pour récupérer donc, tous les, euh, les cassements. Et on va tout simplement donc, appeler les différentes méthodes qu'on a écrites dans le service et les décorer via quoi Via AeroBus, Get, Mapping, si on va faire du Select, si on va faire l'ajout. Donc, on fait l'ajout vieille quoi Vieille, un post, post mapping, le post de HTTP. Donc, si on veut faire euh, euh, la modification, c'est vieille, un put mapping ou bien un patch mapping. Si on veut faire la suppression, c'est vieille, un delete. Donc, ça va être etc., etc. Donc, tout simplement, on va appeler les méthodes. J'ai déjà expliqué ce notion là au début de cours, donc en classe. Donc, euh, 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 le HTTP, et le get, le post, le put, etc. Bien. Ça, si on veut euh, récupérer all euh, customers. Si on veut récupérer un customer, étant donné son ID, comment on va définir ça Ça va être tout simplement via Aérobask get mapping Et on veut récupérer un customer by ID slash. Et on veut passer quoi La valeur de l'ID dans le path. Comment on va dire la valeur de l'ID dans le path Tout simplement, ça va être via quoi euh, accolade de Vront, ID et on ferme l'accolade. Donc, dans ce cas-là, si on veut, par exemple, euh, euh, récupérer euh, euh, le cassement dans l'id égal à 5, il suffit de mettre quoi Slash 5. Dans l'id égale à 2, slash id. Pourquoi on ajoute les accolades Pour dire la valeur de l'id, ce pas une chaîne de caractère, ça, c'est la valeur d'une variable. La variable id qui peut être 2, 5, 6, etc. C'est clair Oui, monsieur. voilà et on va récupérer donc uh, 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 response entity of quest et uh, ça va être tout simplement donc get uh, customer par exemple donc voilà get customer par by id voilà quelque donc on peut mettre donc get customer by id et on passe en paramètre quoi la valeur de l'id l'id au niveau de customer nous l'avons mis donc comme integer comme long et uh, tout simplement donc qu'est-ce qu'on va faire on va appeler la méthode « return, return service.getCustomer » et on passe en paramètre quoi La valeur de l'ID. Est-ce que vous y êtes Oui. Ce qu'il qu nous reste, tout simplement, donc où on a passé la valeur de l'ID où on a passé la valeur de l'ID. La valeur de l'ID elle, elle, elle a été passée au au niveau 2. On a dit ça c'est quoi? Ça c'est l'URL ou bien le path. Donc l'ID a été passé dans le path. Dans ce cas là, on doit mentionner à notre application que il va récupérer de la, la valeur de l'ID à partir de path. Comment on va mentionner ça? C'est via path variable Aérobasque, path Variable. Donc, on va dire la valeur de l'ID va le récupérer ou bien va le chercher euh, ou euh, dans le path. C'est clair ou non? Oui. Je pas, on, on, oh, oui, oui, oui. Y a-t-il une question? Non. Mais oui, ça va. Ok, donc on passe à. Euh, donc, ça, si on veut récupérer donc, un customer by... ID si on veut ajouter par exemple donc un customer comment on va ajouter un customer ça va être via on a dit via le post mapping post mapping post mapping et on va passer donc entre euh, donc donc ça va être quoi euh, on veut ajouter donc ça va être tout simplement slash un slash tout court donc post mapping slash et euh, public On va retourner de même donc response entity of nothing et euh, ça va être donc par exemple add customer et on passe en paramètre quoi lorsqu'on va ajouter le customer donc on a besoin de passer quoi en paramètre un customer voilà un customer donc ça va être donc le customer qu'on veut ajouter et tout simplement donc on va appeler notre méthode dans le service donc ça va être return service point donc, euh, comment on l'a appelé On l'a appelé Ad Customer. Voilà. Et on lui passe un paramètre quoi Donc, un Ad Customer. Donc, ça va être un Customer. Et voilà. Donc, euh, il suffit de mettre un point un virgule à la fin. Donc, Et on va ajouter notre Customer. Qu'est-ce qu'il nous reste ici Qu'est-ce qu'il nous reste Donc, vous voyez, pour l'ID, où oh, on a passé l'ID Dans le Path. Et le customer qu'on a passé en paramètre où on va passer le customer vers pour euh, bah, donc, le customer du client vers le service où on va placer le customer. Vous vous rappelez en classe en fait j'ai parlé de quoi De euh, la requête qui va être envoyée entre client et service. Donc le, serv le client va envoyer une requête au service. Cette requête elle est divisée en deux parties on header And body. Donc, on en tête, et core. Dans l'entête, qu'est-ce qu'on peut trouver On peut trouver des informations comme le content type, comme le, euh, le encoding, par exemple, donc, UTF-8 ou bien autre. Donc, euh, le codage qu'on va utiliser. Et, ici, et euh, donc, euh, et des autres informations, donc, plusieurs, euh, plusieurs informations. Donc, on peut le voir en bas, par exemple, avec Postman. On peut retourner à ces informations-là. Donc, et dans le « body », qu'est-ce qu'on trouve dans le « body » On trouve les données, les données qu'on veut transférer du client vers le serveur. Ici, par exemple, les données qu'on veut transférer, c'est quoi C'est le « customer ». Donc, on va lui dire, va chercher le « customer » ou dans le « body » de la requête. Comment on va lui dire ça Tout simplement, ça va être bien quoi ?« Aerobasque, body, request » request body donc et request body va chercher le customer ou euh, donc dans le body de la, de la requête est ce que vous y êtes est ce oui, que ça monsieur. se fait pour tout le monde c'est très bien donc qu ce qu'il qu nous reste il se peut que l'information qu'il a envoyé elle n'est pas vraiment donc un customer donc Comment on va savoir que c'est casse ou bien n'est pas cassement En principe, on doit parler de quelque chose qui s'appelle la validation. La validation, donc, des validateurs pour, euh, euh, donc, euh, euh, dire, est-ce que ça, c'est valide ou il n'est pas valide? Pour faire ceci, tout simplement, on va ajouter quoi? On va ajouter une annotation, une annotation qui s'appelle Aerobasque valide. Aerobasque valide. Voilà, euh, oui, AirBask valide de Java X point, euh, euh, validation Donc, qui va tout simplement donc, me dire est-ce que ce que j'ai déjà envoyé et, et, euh, euh, c'est de l'information valide, oui ou non C'est clair ou non know? Il se peut par exemple qu'il m'envoie quoi Je demande un customer et il m'envoie quoi Les informations. Euh, d'un compte, par exemple, ou bien les informations euh, d'un employé ou bien autre chose. Donc, dans ce cas-là, euh, euh, qu'est-ce qui va se produire? La requête va être rejetée euh, euh, dès le contrôleur. Elle ne va pas être transmise euh, au, euh, au service. Donc, elle va être euh, rejetée à ce niveau-là. Il ne va pas transmettre la requête au service pour qu'il découvre que ce qu'on a envoyé, il n'est pas vraiment un customer. Donc, elle va être rejetée de, euh, de le contrôleur. On a dit, donc, le contrôleur, son rôle, c'est quoi Le reste contrôle, il va valider la requête. Et si la requête, elle est valide, il va la transférer au, euh, au service. Est-ce que vous y êtes Oui. C'est oui, très bien. Monsieur. Voilà, donc, on va essayer de tester ça. Euh, il nous reste tout simplement le delete. Hein. Il nous reste le delete, donc je le termine très vite. Et puis on va essayer de tester ça avant de passer à euh, donc euh, par exemple l'écriture d'un service donc authentification et euh, le contrôleur donc authentification dans lequel on va générer le password etc, etc. Donc ça va être donc aerobask delete mapping. Et lorsqu'on va faire le delete mapping, on, on a dit donc on va faire le delete by id. Donc ça va être slash id et euh, ça va être donc public response entity of KD. Et ça va être par exemple delete customer ou voilà, la remove customer kiff, kiff. Donc il donc un delete customer on peut même garder le même nom que le service donc customer voilà donc et on va passer en paramètre quoi on va passer le path euh, le id comme nous l'avons fait pour get by id euh, euh, donc as path variable tout simplement il suffit d'appeler quoi donc return service point ça va être remove customer by, by ID voilà donc et ainsi donc on peut manipuler tout ce qui est euh, customer et vous pouvez faire la même chose pour tous euh, les autres euh, services et, et, et contrôleur. une dernière chose, puisque nous avons plusieurs donc, contrôleurs, un contrôleur pour le customer, un contrôleur pour les accounts, un contrôleur, etc. Donc, on va tout simplement ajouter une entrée pour chacun. Et euh, comment on va faire ça? Ça va être via Airbus Request Mapping. Et on va ajouter ici, donc, euh, un chemin d'accès, voilà, une partie de path, on va dire ici, on va manipuler quoi Les customers. Donc, ça va être pour euh, lister tous les customers, on va mettre slash customers, slash, il va va lister tous les customers. Par exemple, si on veut lister tous les accounts, on va ajouter Crest Mapping au-dessus de Account Control et on va ajouter, euh, voilà, fixer comme path slash accounts, etc. C'est clair ou non know Ouais, le tour, les path, par exemple mes paths ils vont être quoi HTTP ici pour récupérer euh, euh, tous les cassements donc comment on va faire via le path donc euh, path ça va être égal à quoi le path va être égal à quoi à HTTP deux points slash slash sinon par exemple, si euh, j'ai euh, euh, déployé mon application sur un serveur, donc je vais mettre quoi L'adresse IP du serveur. Sinon, puisque nous sommes en train de travailler en localhost, ça va être localhost. Le port par défaut de euh, euh, Spring Boot c'est 8082 euh, 80 Apache 104 donc ça et euh, slash ça va être slash customers slash slash pour récupérer tout. Et celle-ci, on va l'exécuter via quelle méthode Via la méthode euh, get de HTTP. Sinon, si on veut, par exemple, euh, manière à récupérer euh, by ID, ça va être tout simplement, donc l'adresse, ça va être... Le path va être euh, slash. La valeur de ID par exemple, le customer dont l'ID est égal à 5. Est-ce que vous voyez les choses ou non Oui, oui. Voilà, on va très vite tester ça et puis on passe à euh, euh, le service d'authentification. Donc, donc ça va être, euh, on va tout d'abord donc, exécuter donc, le run. Donc ça va être MVN Spring Boot de point .Run. Voilà, donc tout est bon, on n'a pas commis d'erreur. Tout simplement, donc, on va essayer de copier donc, cette... Euh, adresse, donc euh, le, le, le password et on va essayer de tester, pour tester ceci, donc on a besoin de faire quoi on a tout simplement donc besoin de euh, donc, c est, c est un contrôle, voilà, donc de lancer et le postman postman Supposément, donc, il va jouer le rôle de quoi Il va jouer le rôle d'un euh, d'un client de notre service. Il va jouer le rôle d'un client de notre service. Et on a besoin de euh, euh, donc de tessis, customers, customers, donc customers. Voilà, donc slash, par exemple, si on va mettre slash et on va fixer comme méthode, donc je vais essayer de diminuer un peu la taille pour que ça soit lisible. Donc si on va diminuer, euh, donc maintenant, sélectionner la méthode get et qu'on veut récupérer tous les customers et j'exécute, donc qu'est-ce qu'il va me donner? Vous voyez, il m'a donné quoi? Euh, ah, je ne suis pas autorisé, oui, je ne suis pas au autorisé car euh, je n'ai pas passé le, pas, le, le password. Donc le password, donc ça va être tout simplement au niveau de... Autoriser euh, autorisation, donc et euh, ça va être euh, donc base authentification. Voilà les user c'est user et le password. Donc c'est tout simplement contrôle v le password que je viens de, euh, de copier. Donc vous voyez, je l'ai passé où? au niveau de l'entête, donc au niveau de autorisation. Donc et lui faire ça de nouveau. Donc vous voyez, il m'a dit quoi? Euh, euh, nous notre faute. Est-ce que nous avons mis notre faute? Qu'est-ce que nous avons mis lorsqu'on ne trouve pas le résultat? Est-ce qu'il a envoyé la requête ici? Non. Ah, on n'a pas mis, est-ce que j'ai mis customers? Customers, customers. Ah, Galt, customers Galt. J'ai écrit customers ironie, c'est pour cela. Vous voyez les choses ou non? J'ai écrit 4 voilà. Et ça manque NS. Voilà, c'est pour cela qu'il m'a dit, not found, not found. Il n'a pas trouvé euh, ce chemin-là. Donc, il ne l'a pas trouvé. Donc, si je, je fais de nouveau send », vous voyez, il me dit quoi 204 no content. Est-ce que vous voyez les choses ou non Oui. Il n'y a pas de contenu. Mais, ben, si on veut ajouter, par exemple, un customer, donc il suffit de choisir ici comme méthode, donc la méthode post. D'aller au niveau de body, au niveau de body, et on va ajouter quoi? On va ajouter un customer. On a qu'est-ce que nous avons mis au niveau d'un customer? On a dit un customer est défini par quoi? Par name, voilà. Par family name, que, 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 quels, sont, quels sont les champs qui sont obligatoires? Voilà, et euh, le birth date, voilà. Ces champs-là sont obligatoires, donc ça va être name, family name. Et birth date, voilà. Donc on va ici, essayer... ah, non c'est pas le birth date. il n'est pas obligatoire, on peut ne pas mettre le birth date. Donc le... par contre le signe qui est obligatoire et le détail est égal à égal à 8. Donc voilà, donc on va essayer de mettre name. Donc par exemple, donc on va mettre Ahmed. Donc name, euh, family name, family name. Ça donc je donc, family name. Et par exemple, on va dire Ben Mohammed. Et euh, nous avons dit, nous avons quoi après euh, le name, le c'est ça? Le CIN. Et on a dit, donc, le CIN, c'est euh, 8. On va dire, par exemple, donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et, euh, si on veut fixer donc le birth date, on peut ne pas fixer le birth date. Birth, birth date. Et on a dit donc que le birth date il est euh, sous le format donc euh, l'heure sur quatre chiffres, le month sur deux et le day sur deux. Donc comment on va faire ça C'est tout simplement donc ça va être donc par exemple le euh, je sais pas je dis de, de n'importe quoi donc le 2000. 2003 par exemple donc 2003 slash euh, mais ce c'est pas avec un slash on a mis donc avec un moins donc et euh, par exemple donc euh, le 12 12 et par exemple si euh, le 21 le 21 12 voilà 2003 et on va essayer d'envoyer, donc cette requête là à notre customer en effectuant sand vous voyez donc ah il me dit de, pourquoi c'est forbidden est-ce que j'ai pas envoyé pas mal Non, on n'a pas ça. Ça, On a pas dit donc l'autorisation. Ça, on a aussi un exemple la dernière fois. Donc, en principe, si je vais envoyer ça, pourquoi c'est forbidden? Allez, est-ce qu'il m'a envoyé ici? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il n'a pas écrit la requête. Principe une seule fois donc je me tente et c'est bon. Ben c'est pas grave où est le mot de passe je crois j'ai copié le mot de passe on va essayer de s'authentifier de nouveau en principe j'ai donc ça c'est mon dans ma Je pourquoi j'ai pas le droit de faire ça ils sont obligés de Slash customer. Qu'est-ce que nous avons fait comme adresse ici? Au niveau de customer control, voilà. Et au niveau de. On veut faire ça. C'est post mapping slash en principe. Post mapping slash. Non. Pourquoi je n'ai pas le droit de faire ça? Donc, on n'a pas encore fait de. Mais. Euh pourbidden le de pas le droit de faire ça mais on n'a pas encore géré le droit d'accès et ainsi suite on n'a rien fait pourquoi j'ai pas le droit donc qu'est-ce que j'ai commis comme erreur non tout est bon principe si je vais le faire de nouveau donc par exemple qu'est-ce que va me dire donc au niveau de poste Qu'est-ce que je vais faire Voilà. Au niveau de bas de, qu'est-ce que je vais envoyer C'est JSON, non JSON. Information, elle est en JSON. Non, Qu'est-ce qu'il y a comme erreur Je crois pas que j'ai commis une erreur. Au niveau de header. Autorisation, elle est fixée. Au niveau de header, qu'est-ce que j'ai fixé rien Anderchef, le header. Voilà, beh. Et.

Un autre point, donc, la sécurité, je vais désactiver ça. Juste un Sinon, on doit ajouter la configuration de la classe sécurité pour permettre, donc, maintenant, l'ajout le... euh, ou la suppression, etc. Donc, l'user, il n'a pas le droit, l'user par défaut, l'user qui crie, il n'a pas le droit de faire l'ajout ou la suppression, etc. Mais, on va désactiver ça, de barque, donc, je vais désactiver ça, ton aide, je euh, 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 le problème qu'on a obtenu, c'est à cause de quoi? Tu peux me dire si à cause de quoi le problème? À cause de quoi on a étu, euh, obtenu forbidden? L'utilisateur par défaut ménageable. Si... C'est très bien. Ah. voilà L'utilisateur par défaut, il n'a la possibilité que de faire des selects. Donc si. Euh, on veut faire ça, donc on va y venir. Donc on va créer la classe User Details, etc. Et via la classe euh, donc, euh, euh, pas, Security Configuration, donc on va configurer et donner donc, à nos utilisateurs le droit euh, de faire ça et de ne pas faire ça. Mais pour le moment, donc, je vais désactiver l'utilisation de notre... Euh, pas, euh, au niveau de pompe.xml. J'ai vu désactiver l'utilisation de la bibliothèque Security. Voilà. Donc, je vais mettre ça comme commentaire. Control slash. Ça ne marche pas, le CTRL slash. C'est très bien. Voilà. Donc, je pas mettre un commentaire. Hum, ça. Mmh. Voilà donc je vais essayer de mettre ça donc, comme commentaire et on va essayer de le faire pour tester ça le reste et puis on va revenir donc à la sécurité qui m'a dit à partir en principe de la semaine prochaine. Voilà. Bien. Donc on va revenir à notre code et on va essayer d'insérer donc le customer qu'on a déjà mis dans le bas voilà. Et send. Voilà. Dans ce cas-là, donc l'insertion a été effectuée avec succès. On a obtenu le 201 created. Est-ce que vous voyez les choses ou non Oui. Voilà. Donc ça oui, c'est oui, euh, oui. euh, euh, maintenant, par exemple, si on va récupérer euh, tout. Donc, si, par exemple, on va dire, donc, get, voilà, on va voir, donc, qu'il y a déjà, donc, un seul et de son OK. Euh, si on va récupérer, par exemple, by ID et on va mettre, donc, la valeur 1, il va aussi, donc, me récupérer puisque j'ai un seul. Donc, on peut ajouter un autre pour euh, la vérification, donc, très, très vite. Et, <coughs> par exemple, boshra Bien, ça, par exemple. Et voilà, donc on va maintenant si on garde le même signe, le même signe et on veut ajouter donc et post. voilà donc et on va garder le même signe. Vous voyez donc ah le méthode donc il n'y a pas de 1. Voilà donc vous voyez il me dit donc uh, bad request et a customer with same sign uh, value already exists. Donc, je ne peux pas ajouter, donc je dois modifier la valeur de signe. Donc, on va dire 5, 4, 3, 6, je ne sais pas, est-ce que ça c'est 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. Et voilà, on va mettre 5. Euh, Vous voyez, il a ajouté, il a attribué la valeur 2, etc. Et comme ça, donc, si par exemple, donc, on veut euh, afficher, et euh, donc le customer dont l'ID égale à 1, il va m'afficher le 1. Si on veut afficher le customer dans l'ID égale à 2, il va afficher donc le 2. Et tout est bon. Donc, ce que nous, nous avons écrit est bien écrit. Et même, on peut vérifier au niveau de la base de données que euh, tout est bien écrit. Donc, ça va être. PostgreSQL. 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 Voilà. Donc et euh, on va se connecter à notre base ceci et donc la base comment on a appelé la base banking debit banking voilà donc et euh, tout simplement si on va faire select étoile from select étoile from notre euh, table qui est customer. customer, voilà, on va voir les deux customers que nous avons déjà ajoutés ensemble. Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. C'est très bien. Donc, voilà, donc, pour euh, les services, etc., on peut dans le reste de temps donc euh, passer à euh, autre chose donc et on va ajouter à notre euh, application donc le euh, un service authentification donc dans lequel on va programmer l'authentification donc ça va être donc euh, avec le bouton droit new java class ça va être par exemple on va l'appeler authentification authentification, authentification service par exemple service voilà donc ça c'est le service et on va aussi donc créer un euh, au niveau de, euh, euh, de web qui-qui donc authentication. Authentification. authentication Contrôle, control dans lequel on va euh, donc, programmé. Donc, le. Voilà. Authentication. Authentication, monsieur, avec un notification Donc, en principe, c'est ça. Voilà. Donc, mon RF. Authentication. Service. Et on va essayer de euh, programmer, donc, au niveau de euh, service, donc, tout ce qui est en relation, donc, de, euh, avec l'authentification. Donc, ça va être euh, AeroBasks Service. Et AeroBasks. Reste contrôle. Et on va essayer de programmer, donc, ensemble, donc, au niveau de l'authentification, des méthodes comme... Euh, donc le euh, sign up donc ça va être donc public euh, donc public donc le sign up on peut donc euh, retourner user par exemple donc user user et euh, ça va être on n'a pas écrit user attends, maintenant on va le faire ensemble donc la prochaine fois donc sign up euh, sign up voilà donc sign up et sign in donc sign up et au niveau de sign up, on va passer, euh, donc euh, un objet. on va passer donc, un objet euh, contenant quoi Donc le euh, username, le, euh, le password, etc. Toutes les informations donc, qui concernent euh, donc, euh, le user. Donc pour cela, donc, comment on peut faire euh, on peut aller ici donc écrire par exemple donc un nouveau package qu'on va l'appeler par exemple Playload, مثلا, donc Playload. Et au niveau de ce Playload là, donc on va créer par exemple donc request Playload et deux, deux classes, donc ça va être request. Playload. Donc, dans lequel on peut passer, par exemple, donc, comme... Euh, euh, donc, euh, donc, je peux même l'appeler, donc, pas grave. Donc, on peut euh, donc, euh, passer en paramètre quoi? Donc, le euh, username, le password, etc. Donc, ça va être, donc, private, private, donc, string, username, le username, le password, etc., etc., donc, le password, et ainsi de suite. Donc, et, euh, euh, les informations nécessaires pour inscrire donc, euh, un utilisateur. Et euh, euh, comme ça, donc lorsqu'on va passer au niveau du service, on va passer quoi? On va passer, donc, Playload, par exemple. Donc, un, un objet du type Playload. Voilà, donc, ça va être Playload, par exemple. Request Playload, donc, et par exemple, on va l'appeler Request. Et on va essayer de euh, terminer le reste, donc là, la prochaine fois. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là. Et la prochaine fois, donc, on va poursuivre avec notre code. On va créer, donc, notre utilisateur. Et de la prochaine fois, donc, on va parler réellement de la, euh, de la sécurité. C'est clair ou non? Oui. Y a-t-il des questions avant de quitter? Non, monsieur. N'oubliez pas de euh, poursuivre donc pour le reste. Euh, donc combien d'étudiants ils sont présents à peu près Vous êtes sept, man. Est-ce qu'il y avait un peu plus au début de la séance Voilà, c'est euh, toujours donc ce nombre-là. Ah, je fais bien, ça. Je... Il y a okay,